pourquoi on fait des poissons d'avril. Bonjour, professeur de classe. Nous sommes Luca Garcia et Rodrigo López. Nous sommes dans notre classe et nous allons présenter et expliquer l'expression de poisson d'avril. Nous vous expliquerons également où il commence et pourquoi il faut encore. Alors, qu'est-ce que c'est la tradition du poisson d'avril? En termes simples, cette fête consiste à faire une farce à vos collègues et amis et en leur coulant un poisson de papier sur le dos à leur insu et puis à crier « Poisson d'avril » en courant. D'abord, parce que c'est amusant. Coller un poisson en papier dans le dos d'un ou d'une camarade est devenu une tradition rigolote. Cette tradition est généralement pratiquée par les enfants, mais les adultes peuvent aussi le faire comme une blague. Plus, les journaux télévisés le font même pour faire une blague à le public, au public. Cette fête a toujours lié le premier avril, ou est le même jour où April Fool's Day. Il s'est célébré dans toute la francophonie au Québec, en Belgique et dans certaines régions de Suisse, mais surtout en France. Ainsi, pendant que le monde anglophone célébrait le poisson d'avril, le monde francophone célébrait le poisson d'avril. Et peut-être vous vous demandez comment cette tradition du français commençait et quelle est son origine. Ouais, mais d'où vient cette tradition? Il est probable que tout ait commencé au XVIe siècle. Il faut remonter au XVIe siècle, plus précisément à l'année 1564. À cette époque, les Français de différentes régions célébraient le Nouvel An à très différents moments. Quelques-uns à printemps, d'autres en Pâques et d'autres gens le 1er avril. Pour cette raison, le roi de France, Charles le IX, avait décidé que le premier du janvier sera le premier jour dans l'année, dans toute la France, afin de réorganiser la bureaucratie française. En 1564, le roi Charles IX décide que le 1er janvier sera le premier jour de l'année, dans toute la France. Or, de nombreuses personnes ont décidé d'ignorer ce nouveau mandat et de continuer à souffrir de ce cadeau le 1er avril. La nouvelle se répand lentement et beaucoup de gens continuent à s'offrir des cadeaux pour fêter la nouvelle année qu'ils croient encore être début avril. Ensuite, de nombreuses personnes qui suivent les nouvelles règles imposées par les rois se moquent de ces personnes qui ne le suivent pas. Donc ça, c'est historique de face mon beaucoup de poissons. Il est triste pour le trouver, mais je peux accepter et que c'était pourquoi le pour moi, le 1er avril, le calendrier trop actif et comme il ne faut le trop pour manger de bien. Le système également de position de ventre alimente pour cette raison, le blanco le retournerait aux poissons en gomme de poissonner. Comme cette date correspond aussi à la fin du carême, une période pendant laquelle les chrétiens ne mangent pas de viande, ils s'offrent des poissons. Alors, pour se moquer de leur erreur, certains leur offrent de faux poissons le 1er avril. Et peu à peu, ça devient une tradition. Aujourd'hui, où on est, on se fait pour des poissons courts, mais on fait un poisson et un poisson, dont le cou, les os, les os d'engins, à l'autre fin. Sur une petite branche qu'on n'est pas fait bastement, il devrait que les journaux télévisés ou en gourmet, du haut de retour au public, un état de fausses nouvelles dédoulées. Avec le temps, cette coutume évolue. Les médias et certaines entreprises commencent à inventer de fausses nouvelles. En conclusion, la fête et la tradition du poisson d'avril consistent à coller un poisson en papier sur les dos de vos amis. La tradition a été créée pour se moquer à des personnes qui célèbrent le Nouvel An en avril. Et notre vie est important de célébrer cette fête. Nous voulons et essayons d'être populaires, mais il représente également la culture et l'histoire française.
De plus, nous trouvons très drôle que la principale blague de cette tradition est de coller un poisson en papier sur les dos de vos amis, collègues ou de quelqu'un. C'est le 1er d'avril, regardez les dos.